Bonjour. Bonjour. Assieds-toi. Merci. Carte d'identité, numéro de téléphone. Carte d'identité. Voilà. Numéro de téléphone. Téléphone 03 okay. 55 oui. 89 83. 39 83. Ok. Alors, monsieur Keita, tu veux quel genre de femme? Voilà. J'ai un oncle dont la femme est japonaise. Et franchement, elle est juste parfaite. Elle s'occupe bien de lui et elle fait vraiment tout pour le satisfaire. Tu veux une japonaise? Exactement. Vous avez ça chez vous? Moi qui croyais avoir tout vu dans ce métier. Comment? Qu'est-ce que tu as contre les femmes noires? Blanches, jaunes? Je sais pas, femme c'est femme. Femme c'est pas femme. Les femmes d'ici, c'est pas la peine. Elles sont trop bizarres. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi tu n'irais pas dans l'un des pays voisins pour chercher ta pelle rare? Une belle ivoirienne par exemple, ça ne te tente pas? Tu es ivoirienne. Avec leur bouche là. Non, moi, en fait, quand je dis un, et puis la femme me dit deux, mais je peux la frapper, tuer. Ah bon? Depuis façon ivoirienne, aime le chaud. Donc, tu veux une femme muette, quoi, c'est ça? Ou la fameuse femme mouton qui va tout faire sans broncher. Mon ami, ça n'existe pas. Bon, après la Côte d'Ivoire, pourquoi pas une béninoise? Ça même pas. Le jour où elle est fâchée contre moi, elle me fait son vaudou et puis je suis foutu. Non, merci. Même les blancs sont vaudous maintenant. Ah. Il te suffit d'être correct et tout va bien. Pourquoi pas une malienne? Tu es Keita, donc originaire du Mali, non? Oui. Et je suis bien placé pour savoir que tout mon salaire ira dans ses habillements, ses bijoux, tu vois. C'est pareil que pour les Sénégalaises, donc oubliez. Toi, tu es bien parti pour être célibataire. D'accord. Il te reste maintenant le Togo, le Ghana et le Niger. Fais un choix. Les Togolaises... Peut-être le Ghana. Mais là aussi, je parle pas anglais. Dans le Niger, je ne sais pas trop. Je me demande à quoi peut bien ressembler la cuisine du Niger. C'est le désert là-bas. Hein? Pourtant, moi, j'aime les sauces à base de feuilles. Mon ami, où tu comptes trouver une japonaise qui va te faire une sauce à base de feu? Et si on trouvait d'abord la femme, on verra ensuite pour les feuilles. Bonjour. Ce n'est pas un marché ici. Est-ce que ça y est là? C'est de la part de qui? Celui qui est suite là. Suite quoi? Ça c'est non ça. Ouvre l'œil ma chérie. Il est dans son bureau. Finalement, je crois que je vais prendre une africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ta japonaise alors? J'ai bien réfléchi. Je veux une africaine. Tu viens juste de cracher sur toutes les femmes de la sous-région. Il vous arrive jamais de changer d'avis? Ah non, non, non. Si tout le monde devait changer d'avis aussi vite que toi, il y aurait rupture et divorce toutes les 20 secondes. C'est que je doute maintenant de mes préférences. Comment ça se fait? C'est que... Les femmes africaines ont quand même plus de choses que les japonaises. Les femmes africaines ont quoi? Elles sont comment? Comme la fille qui vient de passer ici tout à l'heure. Là. Tu sais quoi, mon ami? Quand tu seras fixé sur tes choix, fais-moi signe. Saga, c'est quoi cette fille bizarre là encore?
Elle s'appelle Sweet Love, c'est son surnom. Mais ça, c'est le nom de pute, ça. Pardon? C'est ma copine, jalouse, là. Saga, toi, tu as combien de copines? La dernière fois, c'était une certaine... Love Passion. Aujourd'hui, c'est Sweet Love. Ce surnom cache sûrement quelque chose de louche. Hey, qu'est-ce que tu insinues là? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Écoute, je ne vais plus tolérer tes choses bizarres encore ici. C'est clair? Il n'y a rien de drôle. Hein? Alors, tu sais enfin de quel trou perdu viendra ta femme? Oui, j'ai bien réfléchi. Je reste fidèle à mon premier choix. Je veux une japonaise. Écoute. Et j'aimerais aussi qu'elle ait le physique d'une africaine. Le physique d'une africaine? Oui, oui. Il a comment le physique d'une africaine? Enfin, comme la fille qui vient de passer.